Yop mon les gens, c'est Rage Ghost, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour ma première vidéo de cette super semaine DNA Bomb. Donc pour commencer, j'ai choisi de vous mettre un petit gameplay assez sympathique qui vous fera sûrement très très plaisir. Donc je vais le présenter tout de suite. Donc ça va être une DNA sur la map Priot en domination ou en avantage, je sais plus du tout. En 6v6 bien sûr, avec l'arme IMR. Donc voilà, c'est une arme qui est pas très très facile à jouer, mais bon, ça va compléter en tout cas ma série DNA avec toutes les armes. Donc là à ce moment là, si je peux faire un petit point de vue par rapport où j'en suis avec justement toutes les armes. Donc les fusils d'assaut, c'est tout fini. D'ailleurs, je vais vous upload peut-être un ou deux fusils d'assaut dans la semaine. Là, c'est le premier. Il y aura aussi des mitraillettes dans la semaine, parce que j'ai réussi aussi toutes les mitraillettes, dont la sac qui m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour la réaliser. Donc je pense que j'uploaderai aussi cette vidéo-là, plusieurs vidéos dans la semaine des mitraillettes. Mais voilà, j'ai bien essayé de faire mixte toutes les armes. C'est-à-dire que quand je fais une série avec toutes les armes, je vais essayer de prendre un coup de mitraillette, un coup un fusil d'assaut, un coup un sniper, voilà, un coup un pompe. On verra bien. À part que samedi, j'ai dû prendre un gameplay à moi, c'est-à-dire qu'il aurait dû être dans la semaine DNA. Un gameplay qui était au pompe, au tag 19. Bon, après, je l'ai utilisé pour la bonne cause, parce que c'était vraiment pour expliquer un bon sujet de commentaire, c'est-à-dire un bon sujet qui m'a malheureusement... Je l'ai fait pour parce que j'étais un peu déçu de certaines personnes qui avaient hacké la Union Family. Donc de toute façon, vous avez vu la vidéo, je vais pas vous faire un résumé. J'avais dû utiliser ce gameplay là pour ce commentary là. Je pensais vraiment prendre un gameplay important pour ce commentary. Donc c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez bien voir que dans cette semaine, tous les gameplays que je vais vous mettre, ça va envoyer de la patate, ça va vraiment vous décoller les poumons. Je peux présenter un peu tous les gameplays de la semaine. Donc déjà, je tiens à préciser que tous les gameplays, je les uploaderai à 10h du matin, c'est-à-dire comme ça, je pense que les gens pendant les vacances, ils se lèvent un peu tard, c'est-à-dire ils se lèvent vers midi et tout, comme ça quand ils se réveillent, en tout cas, ils verront le gameplay, ils pourront se mettre devant un petit gameplay avant de se réveiller, ça fout vraiment la patate, ça met vraiment le moral, les gars. Enfin, vous devrez essayer, ou je sais pas, même avant de dormir, des fois, quand vous mettez une petite vidéo de Call of ou un truc comme ça, vous pensez, il est fort, je parle pas de moi, quand j'ai dit fort, vous pouvez dire genre, je vais pouvoir tenter ça demain, etc. Donc voilà, je pense que y en a pas mal qui se reconnaîtront quand ils font ça et tout. Donc voilà, tout de suite, je vais introduire un petit sujet de commentary, je pense. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour cette semaine là. Donc regardez bien, ce sera à partir de 10h tous les jours jusqu'à dimanche. Peut-être que la petite surprise sera peut-être que si j'ai le temps, je vous referai une semaine DNA la semaine d'après. Car j'ai vraiment beaucoup de gameplay à vous upload. Après, chaque jour sera une surprise, ça veut dire que je vous dirai pas quel gameplay sera upload, mais vous aurez bien la surprise et tout, ça vous fera vraiment super plaisir. Ah oui, une dernière chose que je voulais préciser pour justement cette semaine DNA, c'est que il y aura peut-être des commentateurs qui m'aideront à commenter commenter mes gameplays sur la chaîne, car j'ai vraiment énormément de boulot et tout, et donc ça m'aiderait vraiment fortement si un commentateur se venait à commenter un de mes gameplays cette semaine là. Donc voilà. Après, ce sera vraiment pas sûr, je vous dis ça, peut-être qu'ils auront le temps, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont une vie, ils ont des choses à régler en priorité, donc voilà, je les oblige en rien, ce serait juste sympathique, ça leur fera peut-être une petite pub s'ils veulent. Donc voilà. Donc tout de suite, le sujet du commentary, ce sera qu'est-ce qu'un gameplay mérité avec River Boost ou sans River Boost. Donc pour moi, un gameplay mérité, c'est quoi? C'est quand on est solo, on est full rush et on ne campe pas, c'est-à-dire on ne prend pas son temps à temporiser et tout, comme certains qui confondent la camp avec la temporisation. Pour moi, c'est vraiment un gameplay où on voit le gars se déplacer de partout, il fait des kills de partout, ça c'est un beau gameplay pour moi. Ça fait rêver et tout. Qu'il y ait des plots ou pas des plots en face, franchement, c'est le gameplay quoi. De toute façon, on ne peut pas sortir non plus tous les gameplays du monde contre tous les joueurs du monde. Donc vraiment, des fois, on est obligé de sortir des gameplays. C'est obligé, de toute façon, quand on sort des gameplays, c'est forcément contre des plots pour moi. Ou sinon, si on sort des gameplays que c'est pas contre des plots, c'est un peu plus de mérite. Mais, sauf que c'est vraiment super rare et puis ça arrivera tous les je sais pas combien du mois. De toute façon, la performance, c'est ça, les gars. Les gars, je tiens à préciser que la performance, c'est vraiment...
C'est vraiment contre des plots qu'on l'a fait, de toute façon. Là, pour je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais la performance a toujours été contre des plots. Et de toute façon, si vous voulez voir un peu plus de level, ce sera du Deserto. Si vous voulez, de toute façon, la Noyourage qui s'est lancée dans le Deserto, vous verrez dans les semaines qui arrivent, on rediffusera des streams sur notre chaîne, etc. De toute façon, en ce moment, là le tournoi MLG Deserto France qui est en train de se dérouler. Donc si vous voulez le voir, allez sur la page du site Deserto, vous verrez voir les streams. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et donc justement, je disais que de toute façon, même en Deserto, les gens qui font, c'est impossible de faire une performance. Parce qu'en fait, en Deserto, on joue contre des gens qui ont le même level que soi, peut-être un peu inférieur ou un petit peu au-dessus. Mais voilà, elle aura jamais de performance parce que c'est vraiment le même niveau. Et à chaque fois qu'on a un gars qui fera peut-être une série de 5 au maximum, il se fera déchirer après par la suite. Et peut-être qu'il fera au moins 5 morts d'affilée, je sais pas, c'est toujours aléatoire. Alors qu'en performance, t'es obligé de tomber contre des plots, sinon la performance c'est pareil. Si t'as un gars qui a ton niveau, il est obligé de te chercher toute la partie, il a pas envie de se prendre une DNA. Et il va souvent te tuer par derrière ou des moments super en série et tout, mais c'est vraiment très très compliqué. Et c'est pas forcément, de toute façon quand on fait de la perte, on n'a pas forcément un level au-dessus des autres. Peut-être que l'on a 6, après ça dépend, hein. C'est vraiment aléatoire. En tout cas moi sur Ghost, Je n'avais pas de river boost possible, de toute façon je jouais en solo et tout, et puis je sortais des gameplays contre des gens qui avaient des fois le même niveau, des fois qui n'avaient pas le même niveau. Mais voilà, alors que dans ce jeu c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et donc faire une performance contre des gens qui ont le même niveau, quand t'as des dash etc et tout, c'est vraiment compliqué. Surtout que quand tu as plusieurs ennemis devant toi qui, je sais pas, qui ont le même niveau que toi, c'est vraiment encore plus compliqué. Genre tu te retrouves face à trois ennemis comme ça, bah c'est mort. C'est impossible pour moi. En tout cas oui, j'en ai déjà sorti. De toute façon au tout début du jeu, les premiers gameplays que j'ai sortis, c'était comme ça. C'était contre des gars qui étaient assez forts. Après, enfin assez forts peut-être pas. Parce qu'en fait si vous voulez, de toute façon en river boost vous tombez 15 parties sur 20 contre des plots, alors que là on tombe peut-être une partie sur 20 contre des plots sans le river boost. Après ça dépendait du matchmaking, et puis voilà, les DNA que j'avais sorti de toute façon au début du jeu c'était contre des plots mais sans river boost. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment pareil le river boost ou pas. Le gameplay mérité pour moi c'est vraiment si vous jouez en courant, en full rush, en solo, vous tentez des belles actions, que enfin voilà, vous êtes pas dans votre coin, contourner les maps, etc. Après vous pouvez tenter genre un gameplay mérité aussi, voilà. Là où je suis complètement d'accord avec vous que l'on a IRA, c'est contre les balles 27 qui sont vraiment très très cheatées. Et tenter avec des armes qui sont vraiment plus dures, même si c'est contre des plots comme là j'ai fait dans mes semaines DNA, avec mes dicieuses justement avant mes semaines DNA. Ben voilà, pour moi ça c'est un gameplay mérité, c'est un gameplay où on va tenter des choses plus difficiles que les autres, même si c'est contre des plots. De toute façon la performance, je vous répète, c'est vraiment que contre les pots, enfin pour ceux qui savaient pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce gameplay vous aura plu, que ce petit commentaire pareil. Bon, on se retrouve demain pour un autre petit commentaire, peut-être de moi, peut-être pas de moi, on verra bien. Donc je vous dirai pas le gameplay, ce sera une surprise. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez la liker, vous allez la commenter, la partager. En tout cas ça me fera vraiment super plaisir. Et allez les gars, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'on est... Si vous regardez cette vidéo dès qu'elle est sortie, parce que vous êtes un abonné super actif, je vous souhaite une super journée. En tout cas, pour les autres, c'est pareil, une bonne soirée ou j'en sais rien à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Mais en tout cas, les gars, c'était Ghost Killer. Allez, enfin non, appelez-moi pas Ghost Killer, s'il vous plaît. Appelez Rage Ghost ou Ghost. Même moi, je fais encore l'erreur, des gars. J'aime pas Ghost Killer, ça fait un peu plus trop Kikou. Enfin voilà, ça fait un moment que j'avais créé ce compte-là. Donc voilà, allez les gars, peace.